Re tout le monde, c'est Zokoten pour la deuxième partie de ce gameplay. Purée, ça y est, je commence déjà à faire des conneries. Hop, on va se cacher. Excusez-moi, j'ai pas vous parler, j'ai oublié que j'enregistrais. J'étais concentré à ne pas essayer de me faire tuer, donc hop. Hop, on va passer par ici. Non, on va rester là. Donc je me concentrais à ne pas me faire tuer. Je suis désolé de pas avoir parlé. C'est pas voulu, hein. J'avais complètement zappé que j'étais en train de faire ma vidéo. Hop là. Mais bon, moi je me serais pas fait tuer. Hop, on va grimper. Par où on peut grimper? Par où est-ce qu'on peut grimper? Par là. Il n'y a personne. Je suis au-dessus du centre de communication. Charlie, est-ce qu'il transmet toujours des données? En permanence. Ils utilisent un cryptage de malade. Ça va me prendre entre 5 et 10 minutes pour savoir ce qu'ils envoient. On peut pas attendre. Vas-y, Briggs. Fais décoller l'hélico. Je m'en occupe. J'arrive dans quelques minutes. Alors par où est-ce que je passe? Hop. Hop, pas par là. Donc je peux pas descendre. On va passer par ici. Il repassera par là. La la li, la 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 la. Est-ce qu'on a du monde? Il a l'air d'y avoir personne. Je dis bien, il y a l'air. Hop, 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 Assassin's Creed. Personne non plus ici. En combat ici. Sûrement un drone. En tout cas, c'est pas récent. Je vais voir ce que je trouve. Hop. Qu'est-ce que tu vois? Une chambre d'exécution. Ils ont abattu un soldat. Miguel Garcia, 36e escadre. Il est de Los Angeles, 23 ans, porté disparu pendant l'attaque de Guam. Pourquoi un gosse? Ils ont filmé. Merde, ce sont les données qu'ils envoient. Je vais couper. Ça enregistre encore. Trace-le. Ok. Ils ont laissé une tablette. N'aie pas peur. Je sais qui tu es. Crois-le ou non, mais j'ai été à ta place.
Avant, je me battais pour le monde. Pour une nation. Pitié. Je suis désolé. Je veux seulement rentrer chez moi. Moi aussi, figure-toi. Je veux que toutes vos troupes rentrent chez elles. Mais ton pays, il ne veut rien savoir. J'ai un fils. Il a 2 ans. Pitié. On m'a éduqué à croire qu'un seul homme pouvait changer l'avenir. Tu y crois aussi? J'y crois. Et je pense que toi, tu pourrais être cet homme. Tu pourrais changer le monde en devenant un exemple. Non! Ce n'est pas à lui que je parlais, mais à toi, mon ami. Pas à nous avertir, c'est un message. Les ingénieurs attendent quelqu'un. Charlie, le passage, tu bosses encore dessus. Ça, tu l'as tué le bruit. Non. Quelqu'un de pirate. Je vais bien. Oh là là, attention, attention. C'était quoi le... Briggs, j'ai besoin d'hélico, tout de suite. J'ai pas de zone d'atterrissage, trop d'ennemis. Ok, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Hop, 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 hop. Pas fait grand chose hein, cette partie. Le. Non, j'ai neutralisé une personne au combat, super. Ah là c'est mieux. Non mais j'avais pas dissimulé un bon accord. Virement confirmé. 82 000 $, attention, attention. Ok, ok, ça c'est fait. Bon ben c'était juste la fin du gameplay numéro 2. Récupère vite toutes les infos. Hop. Que tu peux. Charge l'hélico, on le réparera à bord pour gagner du temps. Les ingénieurs avaient 2 coups d'avance. La seule piste qu'on ait vers la blacklist est un message. Briggs est en train de cuisiner Cobin sur son info. Cobin est trop bête pour tendre un piège et beaucoup trop malin pour risquer sa vie. Je suis d'accord. Son info est confirmée par d'autres sources. Les ingénieurs nous ont laissé un nombre incroyable de fausses pistes. Ils nous ont envoyé droit dans un champ de mine. Espérons que Dave Grohl a trouvé quelque chose. Il devrait déjà être de retour. Charlie suit leur progression. Charlie ? Charlie. Les autres équipes. Tous les camps étaient piégés. T'es le seul à t'en être tiré vivant. Les ingénieurs savaient que le gouvernement n'irait être impliqué. C'est pour ça qu'ils ont filmé. Ils viennent de mettre la vidéo en ligne. Sam, on a réussi à identifier l'origine du matériel récupéré. On sait qui fournit les ingénieurs. C'était rapide. C'était facile. Trop facile. Comme s'ils avaient voulu qu'on découvre qui c'est. Une marque de confiance. Ils nous provoquent. Mais on tient notre cible. Majid Sadiq. Ex-agent du MI6. Voilà comment il a su son chercheur et après quoi. Et comment il allait le fournir. Madame la Présidente. Heureuse de vous avoir là, M. Fischer. Toutes mes condoléances. Nous savons qui chercher. Majid Sadiq, l'homme derrière les ingénieurs. On vous envoie notre analyse tout de suite.
Excusez-moi. Pas directement, non. J'ai récupéré de nouvelles données par vos services. Vous croyez vraiment que Dallas est la prochaine cible? Oui, la sécurité intérieure est déjà sur le coup et couvre 5 autres villes. Notre meilleure chance de protéger Dallas, c'est d'y envoyer Echelon 4 assez tôt pour désamorcer l'attaque. Vous pouvez y être à temps? On y sera. On les arrêtera. Et voilà, c'est terminé pour le gameplay numéro 3, partie 2. Oui, elle a pas duré très longtemps cette vidéo, elle a duré une bonne dizaine de minutes. Mais c'est déjà ça. Moi, je suis pas le meilleur en guise de gameplay parce que je viens juste de commencer. J'ai une clé d'acquisition toute moisie, donc voilà. Et bon, j'aimerais bien que ceux qui aiment bien m'encouragent en me mettant un petit pouce. Excusez-moi, un petit pouce vert ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bah après, ceux qui n'aiment pas, je leur laisse libre. S'ils veulent rien mettre, ils mettent rien. Et s'ils préfèrent mettre un petit pouce rouge, qu'ils mettent un petit pouce rouge. Voilà, je vais pas rager pour ça. Un petit commentaire aussi désagréable, peut-être, j'y répondrai. D'accord, je répondrai à vos commentaires. Soit si c'est une insulte, là, je le supprimerai. Parce que rager, c'est bien, mais trop rager, insulter le travail des gens, c'est moins bien. Parce que je joue pas très bien, d'accord. Mais ça m'a pris des heures à installer tout mon matos. Car j'ai dû faire une reboot du PC parce que le PC ne marchait pas. J'ai dû m'acheter un deuxième PC parce que le premier était trop lent. Bientôt, je vais peut-être avoir un boîtier d'acquisition. Donc, ça vaut de l'argent, tout ça. Les jeux aussi valent de l'argent. Et j'essaie de vous faire partager ce que j'aime. Donc, s'il vous plaît, peut-être ragez, mais ne m'insultez pas. Et insultez pas le travail que je fais. Peut-être insultez le jeu, dites le jeu il est pourri. Et ne dites surtout pas, s'il vous plaît, ouais, t'es con, tu sais pas jouer. Nanana. Oui, peut-être je sais pas jouer. D'accord, vous pouvez mettre ça en rigolant, mais tiens, tu sais pas jouer. Voilà, même ma soeur joue mieux que toi. C'est... Voilà. Mais m'insulter, ça, je ne supporterai pas. Parce que si vous voulez jouer au con, moi je peux jouer au con. Ça. Bon. On va arrêter maintenant et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et un prochain gameplay. Salut !